Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les meilleurs bons plans qu'on va pouvoir retrouver pour ce Black Friday. Alors, pourquoi en fait je fais une vidéo sur Black Friday maintenant, alors que techniquement en France il a été repoussé? Parce que justement, on va pas regarder les commerçants français. Et avant que tu quittes cette vidéo, bon, parce que tu te dis « Ah, je voulais que ce soit en France ou autre, j'ai pas confiance en fait envers l'étranger », personnellement, je n'ai pris que du coup Amazon Allemagne, car c'est sur un site sur lequel moi j'ai commandé quand même souvent, que j'ai aussi effectué différents retours suite à des désistements en fait de ma part sur des produits, et que ça s'est aussi bien passé qu'en France. J'ai pas choisi Amazon Espagne ou Amazon Italie parce que bah simplement c'est soit parce que j'ai eu pas eu beaucoup de bons retours et de retours positifs dessus, soit que personnellement bah j'ai très peu commandé dessus, donc je peux pas réellement me faire une idée réelle de bah est-ce que c'est bon ou pas. De plus, une seconde petite précision avant qu'on passe directement au bon plan. Tous les liens que je vais vous mettre directement en description, ce sont des liens affiliés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lien affilié? En somme, c'est simplement que dans le cas où quand vous cliquez sur le lien que je vous ai mis directement en description pour un produit et que bah, finalement vous l'achetez, je vais recevoir une commission de la part donc d'Amazon Allemagne. Attention, cela ne vous rajoute strictement rien. C'est ce qui me permet justement, moi, finalement, bah, de m'encourager et de pouvoir possiblement acheter différents produits que je vais pouvoir après vous présenter directement en vidéo. Et bah, finalement, bah, comme je vous l'ai dit, vous, ça ne vous coûte rien. Maintenant, place à la question du coup d'Amazon Allemagne. Bah, pourquoi en fait Amazon Allemagne? Parce que de base, en fait, les produits en Allemagne sont quand même moins chers qu'en France dû aux différentes taxes. Et là, au niveau du Black Friday qui a été maintenu en fait à la bonne date, en Allemagne, bah, finalement, les produits sont vraiment peu chers. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter uniquement des produits que d'une, j'ai pu tester ou que j'ai eu en fait en main propre en fait directement, que j'ai pu vérifier en fait vis-à-vis de la partie qualité ou que finalement en fait ça reste des bons plans et vraiment des très bons plans en fait sur le papier, ou sinon ce sont des personnes par exemple comme GQ, Guillaume ou autres qui l'ont testé aussi et du coup j'allais dire où on peut apposer notre tampon, valider et que ça reste un bon produit. Je vais pas vous présenter des produits que je connais absolument pas, ça ne sert strictement à rien et j'ai pas envie de vous conseiller un produit qui finalement ne va possiblement pas vous convenir ou qui finalement ne tient absolument pas ses promesses. Sur ce, bah du coup on passe directement sur mon PC, comme ça je vous présente tous les bons plans du coup sur Amazon Allemagne pour ce Black Friday. Ok, donc là on se retrouve directement devant mon, en fait sur mon PC hein, tout simplement, et là je vais vous présenter toutes les offres pour le Black Friday sur Amazon DE. Donc là, on va commencer directement avec un PC portable de chez MSI, avec un i7 de 10e génération, 16 Go de RAM, 1500 Go de stockage, donc c'est 1 Tera de HDD avec 500 Go du coup en SSD NVMe, une GTX 1660 Ti, c'est un 17 pouces, il fait 2,6 kg, il y a déjà Windows 10 installé, donc on va le retrouver au prix en fait de 1259 € avec 10 € de frais de port. Donc autant vous dire que là en fait pour 1270 €, ça reste une très bonne affaire. C'est un produit que l'on va retrouver sur la partie française sur les différents sites aux alentours des 1350 à 1500 €. Là, dans le cas où vous cherchez un PC portable gamer de bonne qualité, avec des bonnes caractéristiques, avec cette fois-ci 16 Go de RAM, parce que c'est quand même assez rare sur les PC portables gamer, bah là, très sincèrement, vous pouvez y aller sans aucun souci. Maintenant, on va rentrer dans la partie composants hardware. Et pour la première carte mère que je vais vous présenter, c'est la B550 de chez MSI, la version Tomahawk, qu'on va retrouver au prix à l'heure actuelle de 150 € avec 7 € de frais de port. Donc autant vous dire en fait allez quoi 158 € en fait directement. C'est un produit qu'on va retrouver plutôt aux alentours des 170 à 180 € sur la partie française. Jigfio en a fait un test directement sur sa chaîne YouTube, donc je vous mets le lien directement en fait en description et dans la petite fiche en haut à droite, comme ça vous permettra directement d'aller voir cette carte mère là. C'est vraiment une très bonne carte mère et là il n'y a aucun souci à se faire, et pour ce prix là bah, très sincèrement là vous pouvez y foncer. Elle accepte les processeurs en fait Ryzen de 3e génération et les nouveaux processeurs Ryzen, donc les 5000 qui viennent juste de sortir, donc là il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller sans problème.
Hop, et maintenant une autre B550 qui cette fois-ci je l'ai testée directement sur ma chaîne. Il s'agit de la B550 Plus de chez Asus TUF, donc une carte mère en fait de vraiment de très bonne qualité. En plus de ça, comparé en fait à la MSI, même si elles ont des caractéristiques similaires, en soi vous avez donc l'Asus iMic qui est en plus en fait à l'intérieur de cette carte mère là. Là on est sur la carte mère en version ATX, moi j'avais testé la micro ATX en fait sur la chaîne et très sincèrement il y a très peu de différence entre les deux, mis à part en fait le format en fait directement. Là on va la retrouver à un prix de 145€ avec 6€ de frais de port. C'est une carte mère qu'on va plutôt retrouver aux alentours des 180 à 210€ sur les différents sites marchands français. Donc là n'hésitez pas, vous pouvez y aller sans aucun souci aussi. Maintenant une B450. Alors vous allez me dire pourquoi je vous présente une B450. Pas parce que beaucoup de monde n'a peut-être pas les moyens du coup en fait de pouvoir passer sur les nouvelles générations de Ryzen. Les anciennes générations, donc première, deuxième et j'allais dire maintenant même la troisième, sont en train de baisser de prix sur la partie d'occasion et c'est là où justement on se retrouve avec quand même des bons plans et qu'on a quand même besoin du coup d'avoir une carte mère qui soit performante. C'est une carte mère que moi j'utilise personnellement pour la partie B450 en test, que je possède en fait personnellement, et très sincèrement j'en suis ultra content. C'est une carte mère qu'on va retrouver du coup là en neuf en fait à 98,95€ avec les 6,60€ de frais de port, donc autant vous dire en fait un peu moins de 110€, alors que du coup sur la partie française on va plutôt la trouver entre 110 et 150€. Alors 111€ on la retrouve en fait sur Amazon France en fait directement. Donc si vous n'avez pas confiance en fait avec la partie Allemagne, vous pouvez aller directement sur la partie française où là on l'a en fait à 111,99€. Donc là il n'y a pas réellement de souci et vous voyez que le prix de base en fait est de 139€ sur Amazon. On l'a retrouvé plutôt aux alentours des 150 à 160€ par exemple chez LDLC, Top Achat ou Matériel.net. Donc ça reste aussi une bonne affaire si vous voulez l'avoir en fait aussi sur la partie française. Hop, maintenant un AIO. Alors vous allez me dire pourquoi un AIO etc. Et en soi cet AIO là on l'a testé avec Guillaume et Jigshow lors du test en fait de tous les AIO qui sont presque j'allais dire les plus communs. Il est quand même très performant, il fait le taf. Donc si vous l'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets aussi dans le petit i en fait en haut à droite. Ça vous permettra aussi de pouvoir voir en fonction de votre plateforme entre Intel et AMD quelles sont ses performances réelles, en sachant que nous on avait quand même poussé quand même les processeurs pour qu'ils chauffent et essayer de pousser dans les derniers retranchements en fait les AIO. Et là on le retrouve à 121,92€ avec 7,99€ de frais de port. Autant vous dire qu'il est ultra bon prix et que là vous pouvez y aller sans aucun souci, parce que très franchement c'est un produit qu'on va retrouver plutôt aux alentours des 160 à 180€ en fait sur la partie française en fonction des différents sites marchands. Donc là pour ce prix là n'hésitez pas à y aller, foncez. Donc vous retrouvez directement les liens en description, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. Maintenant un autre IO en fait en 360, il s'agit de Deepool Gamax L360 RGB V2. Alors pourquoi le V2? Parce que le V1 du coup avait des problèmes et a eu beaucoup de retours SAV en fait techniquement. Moi personnellement le V2 je l'ai déjà testé en fait deux fois dans différentes configs que j'ai pu monter en fait et soit utiliser pour la revente ou autre. Dans le cas où vous avez un petit budget, que vous souhaitez avoir la partie en fait RGB, que vous souhaitez en fait avoir un système de refroidissement qui fasse le taf, mais que vous ne souhaitez pas non plus en fait aller sur l'overclocking en fait derrière en fait j'allais dire quelque chose d'élevé, à ce moment là il fait vraiment très bien le travail. On se retrouve à un prix de 71,90€ plus 8€ de frais de port, donc moins de 80€ en fait derrière pour un IO en 360. C'est vraiment un très très bon prix, donc là à ce moment là vous pouvez y aller, il n'y a pas réellement de soucis dessus. Maintenant on va passer sur de la RAM. Alors la RAM, vous allez me dire, Corsair, c'est pas les meilleures RAM, etc. Ok, ça reste quand même de bonnes RAM en fait dessus. On a un design qui, personnellement, je trouve, moi, qui est ultra beau. Et là, on se retrouve avec un kit en Allemagne, en deux parets de 8 Go, cadencé à 3600 MHz. On va les retrouver à 112,99€ avec 4€ de frais de port. Donc, à peu près, du coup, 117€. En France, pour le même kit de RAM, donc là en fait je suis sur Amazon en fait FR directement, le même kit de RAM, donc 2x8 en 3600 MHz, toujours la boutique Corsair, on est à 160,88€. Voilà,
Donc, je voulais juste faire la partie économie. Derrière, vous gagnez 50 euros de différence. Et on est toujours sur le Corsair Store. Donc, c'est toujours Corsair qui le vend. C'est pas un vendeur tiers, en fait, derrière. Donc là, très sincèrement, vraiment un très bon plan du Black Friday, en fait, allemand. Donc là, n'hésitez pas à y aller sur ces rames-là. Vous avez un très beau RGB, en fait, aussi dessus. Elle vous permettra, en fait, de durer quand même pas mal dans le temps. Donc là, ce kit-là, n'hésitez pas à y aller. Maintenant, on va passer pour des SSD NVMe. Et là, je passe directement chez Sabrent. Donc Sabrent, vous allez voir, je vais vous présenter deux SSD NVMe. Donc celui-ci, en fait, qui est un SSD NVMe qui peut aller, en fait, en PCI 4.0 dessus. Donc il s'adaptera, en fait, sans aucun problème pour les différentes B550 que je vous ai présentées avant. Et là, on se retrouve, en fait, avec 500 gigas à 97,49€ avec 4€ de frais de port, donc un peu plus de 100€ en fait pour les 500 gigas. Et c'est là où c'est intéressant, c'est plutôt quand on passe à 1 Tera. Et quand on passe à 1 Tera, bah on se retrouve en fait à 189,99€ avec les 4,59€ de frais de port, et en gros on économise 60€. Là, vous faites un gain de 60€ du coup pour 1 Tera en NVMe en PCI 4.0. Donc très sincèrement, là, banco, il faut y aller, il ne faut pas chercher à comprendre. Et je vous présente son petit frère, pareil, qui lui en fait est plutôt en PCI en fait 3.0 classique. Où là, 512Go en fait, on va l'avoir à 74,99€. Et 1 Tera, on l'a à 200€. Alors 200€ pour le 1 Tera, celui-là, je ne vous conseille pas réellement parce que du coup, il n'y a pas de promotion, c'est son prix habituel. La seule promotion que l'on va avoir, du coup, ça va être sur le 512Go. Donc là, n'hésitez pas, ça reste des très bons SSD NVMe. Pareil et toujours, en fait, hein, on va continuer avec les SSD NVMe. On va passer chez Samsung avec le 970 Evo Plus. Donc, qui est un SSD NVMe qu'on va retrouver au prix, en fait, de 119,99€, donc 120€, avec 4€ de frais de port, donc 125€. C'est un SSD, du coup, en fait, d'un Tera qu'on va plutôt retrouver sur la France, en fait, à 150, à 180€. Donc là, très sincèrement, vous pouvez y aller sans aucun problème. Ça reste aussi un très bon SSD NVMe. Donc là, c'était pareil, mais avec la version, du coup, 500Go qu'on va retrouver, en fait, à 70€ avec 4€ de frais de port, donc 75€. Alors là, ça fait peut-être un petit peu cher comparé, justement, bah, j'allais dire au Sabrent qu'on va avoir, qui va rester quand même un bon concurrent. Mais si vous préférez, en fait, partir chez Samsung, vous avez aussi cette offre-là qui est quand même très intéressante. Pareil, toujours sur la partie de la RAM. Alors, même si je vous avais présenté la Corsair avant, là, je vais plutôt m'intéresser et cibler, j'allais dire, les personnes qui ont vraiment un tout petit budget pour pouvoir faire leur configuration. On va pouvoir partir sur un kit de 2 barrettes, donc acheter deux fois le même article en 8Go. Donc là ici c'est une barrette de 8Go qui finalement va vous coûter en fait 22€ plus 4,52€ de frais de port, donc 26€ en fait, un peu plus de 26€ du coup la barrette, soit en fait 60€ du coup pour les 16Go. Bon, il n'y a pas de dissipateur, visuellement parlant, elles sont pas très jolies. On est en 2600 en fait MHz. Bon, c'est pas non plus le top, mais franchement, ça fera le travail pour du gaming. Pour une petite configuration en fait à 500€ dans le cas où je souhaitais justement en fait avoir 7Go de RAM, très sincèrement, bah allez-y dessus en fait. Hein, c'est là où vous allez avoir le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Maintenant, on passe au périphérique avec la Asus ROG Chakram, qui est quand même une très bonne souris. Guillaume l'avait présenté en fait directement sur sa chaîne. Je crois qu'il l'avait pas présenté directement, qu'il en avait fait un live et qu'il l'avait testé. Donc, vous avez un petit joystick justement en fait ici qui fait la particularité en fait de cette souris là. Ce cache là s'enlève et vous avez la possibilité de personnaliser le logo en fait dessus. C'est une souris qui vaut quand même très cher de base. Là, on va la retrouver à 144€ en fait directement dessus. On a une économie en fait de 10€ hein, simplement quand on rajoute les frais de port. Donc ça reste quand même une bonne affaire. Oh, même si 10€ c'est pas non plus exceptionnel. Toujours en fait avec les souris, mais maintenant on va partir en fait chez Logitech avec la G502 Hero, donc la high performance en fait dessus, qu'on va retrouver à 40€ avec 4€ de frais de port, donc 45€ en fait au total. On a une économie du coup de près de 40€ en fait sur le prix habituel. Donc là, très sincèrement, ça reste vraiment une très bonne affaire. Donc là, allez-y, foncez. Il n'y a aucun souci sur cette souris-là qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps sur le marché. Toujours chez Logitech. Donc là, on va rester vraiment sur la partie périphérique. On va avoir du coup le volant plus les pédales en fait directement Logitech avec le G-Racing en fait steering wheel qu'on va retrouver à un prix de 209€ plus 13€. Donc 230€ en fait maximum. Et bah tout simplement de base il vaut juste 300€.
Donc voilà, c'est juste un produit qui vaut 300 €, vous faites 80 € en fait d'économie. Donc très sincèrement en fait, hein, bah, allez-y, hein, y a aucun souci. C'est un peu le comparse, j'allais dire en fait, hein, du G902 en fait, hein, ça reste à peu près la même chose. Et là aussi, voilà, on va se retrouver le G902 qui est finalement en fait au même prix. Donc là c'est la version Xbox plus PC, la version juste d'avant du coup c'était la version PS4, PS3 et PC. Donc là c'est franchement à vous de voir en fait, hein, si vous êtes sur multiplateforme PC et console en fait, plus PlayStation ou plus en fait Xbox. Donc là c'est à vous de faire votre choix. Maintenant on va passer avec le clavier mécanique du coup de chez Logitech, le G910, qui est quand même un clavier qui date, qui commence à dater quand même, hein, c'est quand même un vieux clavier, mais on le retrouve en fait à 99 € avec 7 € de frais de port, donc 107 € en fait à peu près. Et très sincèrement de base il est vendu aux alentours des 120 en fait à 130 €, donc voilà, on fait une économie en fait de 10 à 20 € dessus. Ça reste quand même aussi un bon petit plan, même si bah voilà, l'économie est pas très folle. Vous allez voir sur les périphériques au final il y a quand même des économies qui sont, j'allais dire, pas énormes, pas comparé en fait au niveau de, comparé au niveau des composants, bah c'est quand même pas évident, alors que bah les périphériques on gagne pas beaucoup. Là par exemple en fait sur la MX Master Wireless on va se retrouver avec une économie en fait de base de près de 44 €, enfin de 40 € en fait directement. Donc elle se vend du coup en fait à 50 € avec 4 € de frais de port. C'est une souris qu'on va retrouver plutôt aux alentours des 80 à 90 €, même si maintenant bah, on l'a vu quand même souvent sur Amazon France tourner aux alentours des 50 € ou autre. C'est pas une promotion Black Friday, donc ça c'est une promotion classique, donc là en soi, bon, je pense que très sincèrement, on peut la retrouver facilement aussi en fait sur la partie française aux alentours des 50 €. Mais voilà, si vous souhaitez vraiment l'acheter maintenant, bah vous avez fait une petite économie dessus en fait de 20 à 30 €. Maintenant, toujours chez Razer avec le Synosa Lite, donc un clavier à membrane, que l'on va retrouver en fait à 24 € avec 6 € de frais de port, donc 30 €. Donc vraiment pour un clavier en fait à membrane avec la partie RGB, avec la qualité Razer qu'on va retrouver en fait derrière, bah très sincèrement, il n'y a pas de souci, c'est un clavier plutôt qu'on va retrouver autour des 60 à 70 €. Donc très sincèrement pour moi là à l'heure actuelle, le prix auquel il est proposé avec la promotion, bah finalement bah, c'est son prix qu'il vaut en fait, hein, directement. Donc là vous pouvez y aller sans souci. Maintenant on va passer chez Rocat avec la Kone Pure Ultra Light qu'on va retrouver en fait à 40 € plus 4 € de frais de port. C'est une souris que généralement on retrouve plutôt en fait aux alentours des 60 à 70 €. Donc une très bonne souris. Je l'ai eu pendant en fait à peu près 6 à 7 mois en fait sur cette souris là. Je l'avais changée parce que bah, personnellement j'ai quand même une grande main et bah finalement elle me convenait pas en fait au niveau de la prise en main, etc. Donc du coup je l'ai refilé en fait à un collègue. Mais très sincèrement on reste sur de la bonne qualité aussi. Très bonne qualité de finition et pour le prix, bah là avec la promotion, n'hésitez pas. Maintenant on est avec la Kova Aimo, donc qui est une souris pour ambidex. Alors je voulais positionner personnellement, je l'ai eu que quelques fois en main, mais très brièvement, j'ai pas pu le tester sur le long terme. Là on se retrouve avec une souris du coup qui est à 35 € avec 4,80 € de frais de port, donc 40 €. C'est une souris que techniquement on retrouve aux alentours des 60 €. Donc vraiment une souris dans le cas où vous êtes gaucher ou dans le cas où vous avez un setup qui peut servir à plusieurs personnes, donc soit gaucher soit droitier, elle est ultra intéressante parce que l'ergonomie de cette souris là, dans le cas où vous êtes gaucher et droit ou droitier après et autres, enfin bon, peut-être pas le lundi gaucher et le mardi droitier, mais dans le cas où justement vous avez plusieurs personnes en fait, soit gaucher et droitier, qui passent sur en fait le setup, bah à ce moment-là du coup c'est typiquement le style de souris dont vous avez besoin et qui fera plaisir en fait à tout le monde. Maintenant on est toujours chez Razer avec le Razer Ornata, donc un clavier qui techniquement est vendu à 110 €, qui pour moi a toujours été trop cher du coup en fait à ce prix-là. Là à l'heure actuelle on va le trouver en fait à 78 € frais de port inclus. Bon, personnellement, je trouve que ça reste encore un petit peu cher pour ce type de clavier-là, mais finalement, si vous aimez ce clavier, que vous souhaitez l'avoir, parce qu'il a quand même de bonne qualité aussi, en fait, derrière, bah là, vous faites quand même une belle économie, en fait, d'une 40aine d'€, donc à ce moment-là, en fait, allez-y. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, voilà, c'est après les goûts et les couleurs. Pareil, on se retrouve avec une autre souris du coup de chez Razer avec la Basilic directement, qui va elle se retrouver en fait de base à 99 € plus 5 € de frais de port, donc 105 €, et c'est une souris qu'on va retrouver plutôt aux alentours des 150 à 190 €. Donc là, ça fait vraiment une bonne affaire. On est sur une souris sans fil avec un dock de rechargement qui peut être contrôlable directement en fait avec le logiciel en fait de chez Razer, avec différentes macros ou autres. Donc là très sincèrement vous avez quand même pas mal de possibilités sur cette souris là, une souris de très bonne qualité.
Maintenant, on va passer chez SteelSeries pour la partie souris avec la Rival. La Rival qu'on retrouve de base en fait à 90€, qui là finalement en fait va plutôt se retrouver en fait à 65€, donc une bonne petite économie. Une souris qui a fait ses preuves aussi, qui est de bonne qualité avec du beau RGB en fait dessus, qui a fait quand même pas mal de ravages en fait en soi, parce qu'elle était limite comparée en fait à la G502 et elle a fait quand même pas mal aussi en fait de ventes. Donc vraiment une très bonne souris, sa réputation n'est plus à faire. Donc là on va se retrouver avec le SteelSeries Artist Pro, qu'on va retrouver en fait à 180€ plus 6€ de frais de port. De base c'est un casque qu'on retrouve plutôt aux alentours des 250€, en fait à 280€. Donc là on fait quand même une économie en fait de près de 100€ en fait sur ce casque là une très bonne qualité sonore, une très bonne qualité en fait audio. Vous avez le DAC qui vous permet de faire avoir pas mal de contrôle etc en fait au niveau, que ce soit du gain ou que ce soit en fait du micro. Donc là très sincèrement vous avez un micro de super bonne qualité avec une très bonne réduction. Donc là allez-y, si vous souhaitez changer de casque et vous souhaitez avoir une bonne qualité, là vous pouvez y aller sans aucun souci, je vous le garantis. Maintenant, alors quelque chose qui est quand même assez sympathique, c'est qu'on va retrouver des promotions du coup avec Corsair. Donc même si on a vu la RAM en fait avant, c'est quand même assez rare d'avoir des promotions chez Corsair. Et là on se retrouve avec la Corsair M55 Pro RGB ambidextre, donc qui est aussi une souris en fait ambidextre, qui est faite donc gauche pour gaucher et pour droitier. Et on va se retrouver donc dans ce pack là à avoir le Xbox Game Pass pour 3 mois qui va être offert avec, et le total du coup inclut tout simplement 44,89€. Donc ça peut, si on ajoute les deux, ça fait à peu près 20€ en fait de gain. Donc très sincèrement ça vaut vraiment le coup en fait là, dans le cas où vous choisissez en fait et que vous souhaitez avoir une souris ambidextre de bonne qualité et aussi bénéficier du Xbox Game Pass, c'est un plus. Là on passe chez SteelSeries avec le clavier, donc le Apex 7 mécanique, donc du coup qui est un clavier qu'on va retrouver de base en fait plutôt aux alentours des 170 en fait à 190€, et que là on retrouve simplement en fait à 150€ plus 7€ de frais de port, donc 160€ en fait au maximum, ce qui nous fait en fait une bonne économie entre 30 et 50€ bien évidemment comparé à différents sites marchands. Un très bon clavier, vraiment en fait une très très bonne qualité en fait au niveau du clavier. Et là on se retrouve aussi chez Corsair avec une autre promotion, c'est le Corsair 95 du coup RGB Platinum, qui est un clavier mécanique avec différentes macros programmables sur le côté gauche, un réglage du volume, le repose poignet, vraiment un clavier de très très bonne qualité. Il se vend là à l'heure actuelle avec le Xbox Game Pass du coup en fait de 3 mois derrière, qu'on va retrouver en fait au prix de 160€. De base le clavier Corsair du coup le K95 Platinum, pour vous donner en fait un ordre d'idée, on le retrouve aux alentours du coup plutôt en fait des 200€. Comme là vous pouvez le voir en fait directement, on va le retrouver voilà à 180€. Ici en fait c'est le Platinum en fait à 159€ en fait sur Black Market, donc c'est l'occasion reconditionnée. Donc, voilà, on se retrouve quand même avec une bonne petite promotion avec le Xbox Game Pass à 160€. Donc là très sincèrement allez-y, il n'y a aucun souci, la qualité Corsair n'est plus à prouver. On reste quand même sur un très bon produit. Et là par contre, une très bonne affaire, dans le cas où vous souhaitez streamer en fait votre console, que vous souhaitez streamer en fait avec un deuxième PC ou autre, ou simplement que vous avez utilisé l'utilité en fait d'une carte d'acquisition interne pour votre PC, il s'agit de la Elgato Game Capture 4K 60 Pro Mark II. Cette game capture là, on va la retrouver en fait à 200€, donc 199€, 5€ de frais de port, donc 205€. Vous allez me dire, c'est encore cher. Ouais, sauf que de base, cette carte-là, en fait, elle est quand même vendue 250€ avec les 5€ de frais de port. Donc là, en fait, on fait une économie de 50€, en fait, directement dessus. Sur la partie française, puisque là, du coup, vous allez me dire, c'est en Allemagne, il y a des frais de port, etc. Sur Rakuten, on va la retrouver, en fait, en occasion à 200€. LDLC, vous l'avez à 250€. Là, ici, vous l'avez, en fait, à 179€, mais c'est du reconditionné aussi. Chez Boulanger, vous l'avez à 200€, en fait, à l'heure actuelle. Sauf que là, ici, c'est la HD60, c'est pas la 4K. Donc là, on est vraiment sur une très bonne affaire dans le cas où vous souhaitez, en fait, vous équiper d'une carte d'acquisition, que vous puissiez, en fait, enregistrer de la 4K, en fait, en 60fps. Là, très sincèrement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Ça reste vraiment, en fait, une carte d'acquisition de très bonne qualité. Et voilà. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas
à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, comme ça vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos, et puis à me suivre en fait sur mes différents réseaux sociaux, donc que ça soit Instagram, Twitter, ou même Twitch, justement, où là j'ai ma chaîne Twitch que j'ai ouvert, et justement, bah, pour le Black Friday français, je vais faire un stream pendant l'après-midi, je pense, ou la soirée, en fait, de vendredi, pour vous présenter tous les bons plans, en fait, d'Amazon, et qu'on puisse comparer vraiment, bah, tous les plans. Alors, pas que ça soit, en fait, que Amazon, hein, je dis une bêtise, mais que ça soit aussi, par exemple, sur Cdiscount, Rue du Commerce, Top Achat, etc., pour au moins, bah, justement, vous trouver les meilleures offres pour les produits, j'allais dire, les plus performants. Sur ce, je vous dis à plus tard, salut !